Oi, 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 shalom aleichem, salom tala en, salom tala en. Oi, 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 ma terre est souillée, la Palestine est juive comme Stéphane Carré. Eh bien, mes camarades publics, bonjour et bienvenue dans le monde merveilleux de l'indispensable Tristan et d'Erdvaquet, et même mieux que le monde merveilleux de l'indispensable Tristan et d'Erdvaquet, puisque pour la première fois, en exclusivité mondiale, vous avez le droit de pénétrer profond ma maison, mon humble demeure. C'est la première interview magnifique que je fais chez moi. Voilà, c'est un privilège, je vous comprends, ça vous doit te donner moite de tiédeur, et pour une fois que vous verrez pas une interview en vous disant « Ah putain, c'est moche chez Vaquette, il y a un tableau moche derrière, mais non, c'est pas chez moi, c'est chez Jean Robin. Ou oh, putain, il habite chez les bobos, c'est pas chez moi, c'est chez les gens de strictement confidentiel, c'est autre part, voilà. Là, c'est chez moi. Bien. Et oui, c'est chez moi. » Et donc, d'ailleurs, bon, c'est moi, c'est un peu triché, parce que comme je voulais vous montrer plein de tableaux que j'aime bien, j'en ai décroché certains du mur, puis je vous ai mis un peu à côté, comme ça, histoire de faire un peu un best-of. Alors, vous avez Lisanne Potvin, évidemment, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, un tableau avec... une dame qui a l'air très triste, qui pleure, qui a accroché son cœur sanguinolent. C'est un très beau tableau d'amour. Non, je suis sérieux en plus. Monsieur pour qui ça a été peint, il doit être très fier, c'est très beau. Au-dessus, vous avez le tableau de Franck Garcia. Vous avez un autre tableau d'ailleurs, Lisanne Potvin, qui est ici. Vous en avez un autre là-bas également, qu'on voit pas à l'image, mais hein, peut-être on verra un peu vaguement l'image. Elle est très belle aussi, elle est magnifique, Lisanne Potvin. Lisanne Potvin est magnifique, faut le dire. Vous avez, là c'est vrai ça aussi, parce qu'avec Vaquette on sait jamais si c'est vrai ou s'il se moque des gens, et là c'est totalement vrai. Et là vous avez un tableau de Franck Garcia, hein, Franck Garcia qui a servi de base pour ceux qui ont probablement connu au graphisme de mon album et de mon spectacle Crevez Tous. C'est un tableau que j'adorais justement parce qu'on voit une espèce de grand bonhomme rouge trop puissant qui écrase un petit dans ses mains, ça m'inspirait beaucoup, je me suis dit, le grand bonhomme rouge chez moi, je suis trop fort, j'écrase les autres dans ma main, ça, c'est une parabole de ma magnifique carrière de réussite, comme nous le verrons plus tard, et comme nous le verrons en conclusion. Donc, tableau de Franck Garcia, Lisanne Potvin, là-bas, c'est évidemment du Anne van der Linden, avec un tableau très Anne van der Lindenien, puisque ça représente l'amour sous la forme d'un monsieur qui découpe une dame avec un sabre, c'est bien sanguinolent, voilà. Et là-bas, je vous ai mis une petite surprise, un petit bonbon, c'est un cadeau qu'on me fait, car les adorateurs du grand mythe vaquettien, après les spectacles, me font souvent des cadeaux. Et j'aime beaucoup les cadeaux, donc faut pas hésiter, voilà. Et ça, c'est un très beau cadeau, c'est une Frau SS, en grand blouson de cuir, avec des cuissards, un string, tout, une cravache à la main, et il y a son nom de sa casquette de Frau SS, et il y a une ombre sur ses yeux, et si on regarde bien, les yeux brillent un peu, c'est un regard super SM, ça, je sais pas pourquoi on m'a offert ça, moi qui suis pur, charmant, tout ça, je ne sais pas, bon. Donc nous sommes chez moi. Je vous décris tout ça parce que, comme vous pouvez le constater, hein, on a le temps. On a beaucoup de temps. C'est une interview qui va faire, je ne sais pas, allez, je vais dire au hasard, oh, on va dire 6 heures, entre 6 et 7. En fait, je triche un peu, en fait, on fait l'intro après avoir enregistré tout le reste, donc ça devrait faire entre 6 et 7 heures, quelque chose comme ça. Donc on a le temps de digresser, on a le temps de vous présenter chez moi, et surtout, on a le temps de vous présenter le projet et la genèse. Alors la genèse du projet, c'est un projet que je devais faire à la base avec Jean Robin, le patron, le rédacteur en chef, je sais pas comment on doit dire, de Enquête et Débat. Et il m'avait dit, il a proposé quelques mois, il m'avait dit, écoute, moi je fais des coffrets d'interviews, de 3 DVD de personnalité, si tu veux, j'ai envie de le faire avec toi, tu racontes ce que tu veux, on s'en fout, et puis on fait le coffret. Moi j'ai fait, bon, pourquoi pas, ça m'est rentré dans une truc, mais raconter n'importe quoi, raconter ma vie pendant 6 heures, je voyais pas trop l'intérêt. Mais il s'est quand même rentré dans une idée. Et puis là-dessus, toujours Jean Robin, j'ai lu un de ses bouquins qui s'appelle La Judéomanie, qui raconte, qui est un bouquin, je précise, c'est un de ses intérêts évidemment qui est absolument pas antisémite, bon, et qui est bien au contraire, à la limite, c'est la position d'un juif qui a envie d'avertir les autres juifs en disant « faites gaffe, si on continue comme ça, on va créer dans une république où tout le monde devrait être égalitaire, on va créer de la jalousie vis-à-vis des autres communautés, et à la fin ça va nous retomber sur la gueule, parce qu'on va la jalousie crée de la haine. » Bon. Donc c'était plutôt dans cet esprit-là. Et il montre comment, depuis 20 ou 30 ans, il explique très précisément, avec énormément sourcé, c'est un travail de journaliste, comment la France est devenue un pays où on peut plus prononcer le mot juif, on peut plus faire de blagues sur les juifs, où quand une mytho se dit qu'elle a été agressée dans le métro en se mettant des étoiles de David ou des croix gammées, je sais plus ce qu'elle a fait, sur elle,
Le président de la République en personne intervient pour dire que la France entière est blessée, alors qu'on s'aperçoit quelque temps après que c'est une mythomanie complète, et que quand quelqu'un se fait assassiner dans d'autres circonstances, on n'en parle pas, et c'est bien naturel. Si à chaque fois le président de la République devait intervenir, à chaque fois qu'il y a un meurtre ou un assassinat en France, on s'en sortirait pas. Et évidemment, il cite plein d'autres exemples, mais il a l'une des incarnations de ça est évidemment l'affaire Dieudonné. Un Dieudonné qui fait un pauvre sketch contre des gros fachos colons dans un pays en guerre, comme ça a toujours existé, et là, comme ce pays en guerre c'est Israël et comme le colon est juif, ah, on peut plus rire de ça, on peut plus dire, et ça devient une affaire d'État, ce qui est un truc complètement fou, mais évidemment, avant, on avait eu la censure de Hitler égale SS, ou les, de façon moins importante d'un point de vue médiatique, les procès de Coste. Et donc, je lis ça, et je me dis, quand même, quand je vois tout ça, c'est vrai, c'est énorme. Putain, mais moi, j'ai chanté « Mort aux Juifs ». J'ai écrit un bouquin dans lequel je défends « Mort aux Juifs ». Et il se trouve, comme chacun peut le constater, que j'ai pas une carrière particulièrement... qui est une réussite extraordinaire, pour utiliser la lettre. Ma carrière est un peu pourrie. Quoi. Et donc, je me suis dit, tiens, et si les deux... était lié, évidemment, c'est pas la première fois que j'y pensais, mais moi, la thèse du complot, j'y pense pas. J'ai surtout pensé, tiens, pour sa vidéo à la con qu'il veut que je lui fasse, si je lui racontais ça, si je partais de cette hypothèse, et si l'échec merveilleux et patent de ma brillante carrière était dû au fait qu'un jour, j'ai chanté pour un juif, et que j'ai fait des propos là-dessus, et qu'il y aurait une sorte de grand complot du lobby juif qui m'aurait niqué ma carrière. J'ai pas dit que j'y croyais, ça, c'est une hypothèse. J'ai surtout pensé à une chose... très concrète et très pratique, c'est que je suis intermittent du spectacle, car il faut bien voler l'État quand on est anarchiste, n'est-ce pas ? Donc, il me fallait des cachets, hein, c'est pas des pilules, parce que je suis vieux, des cachets pour être intermittent du spectacle. Et donc, je me suis dit, bon, comment je fais ? Je magouille, je les vole, je braque les gens des ascédiques, ou je fais la vidéo à la con avec Jean-Robin. J'ai un bon thème, j'ai une vidéo à la con, viens des Jean-Robin, on va faire la vidéo. Puis, entre-temps, après, pour d'autres raisons... que je développerai pas ici et qui sont pas très importantes, finalement le projet se fait pas avec Jean-Robin, donc ça se fait avec Vincent à ma droite et Gaël à ma gauche, hein, ça n'est pas du tout un positionnement politique, c'est un positionnement de caméra, mais comme vous me regardez, ce qui est à droite pour Vaquette est à gauche pour Vaquette, et ça influe, donc tu te retrouves à droite. C'est con pour toi, parce que toi tu n'es pas Jean-Robin, t'es plutôt ouf. Je ne fais pas finalement la vidéo avec un fasciste sur mon juif, je la fais avec un militant libertaire. Ouf, ah, je vais être mieux vu. Bon. Bien. Et donc, cette hypothèse que je répète, qui sera la base de notre vidéo, et si l'échec de ma carrière était dû à ma chanson de mort aux juifs et à mon texte mort aux juifs, c'est évidemment une hypothèse, c'est surtout avant tout un prétexte pour vous parler de plein de choses, hein, donc pour vous parler évidemment de ma chanson de mort aux juifs, ensuite de vous parler du chapitre de mon roman qui parle de mort aux juifs, et puis par-delà de la censure en général, des avocats, des procès, de mon rapport à ça, du procès Coste, pourquoi pas, et par-delà, puisqu'on parle de censure et de cette chanson mort aux juifs, le fait que j'ai été interdit sur Radio Libertaire, on fera un long passage là-dessus, puis ça va donner l'occasion de parler d'anarchie, de parler aussi d'extrême droite, puisqu'on parlait de Jean-Robin, on va arriver un peu à ça là-dessus, ou pas, on verra. On va parler donc d'anarchie, de ma conception de l'anarchie, de cette censure sur Radio Libertaire. On va parler de Dieudonné, évidemment, ça, on n'est pas obligé de parler de Dieudonné. Hein. On va parler, puisqu'on va parler de Dieudonné, d'extrême droite, tout ça, et oui, on va parler de Soral. Hein. Donc les Soraliens, vous êtes obligés de regarder la vidéo, hein, pour pouvoir immédiatement, après, derrière, aller sur Internet et dire « Vaquette, puceau gauchiste, Vaquette n'a rien compris, Vaquette n'est pas vraiment subversive, Vaquette, idiot utile du système, hein, oubliez pas, idiot utile du système, c'est Soral qui vous a appris la phrase, grâce à ça, vous pensez intelligent, donc faut pas hésiter, hein. Vaquette, enculé, voilà, idiot utile du système sur Internet. » Donc vous êtes obligés de vous taper toute la vidéo de Vaquette dans votre cul pour savoir à quel moment je crache sur Soral. C'est dégueulasse, mais c'est du teasing, hein, comme ça, voilà. Et puis, après vous avoir d'ailleurs montré mon chez-moi, à la fin de la vidéo, on ira faire un autre tour à autre part de chez-moi, dans un endroit plus intime. Je vous dis pas, vous verrez, vous découvrirez une partie passionnante de Vaquette, vous découvrirez peut-être dans le montage de la vidéo, je sais pas bien ce que va faire Vincent, il va faire quelque chose de merveilleux. Il va faire quelque chose de merveilleux. Vincent, tu vas faire quelque chose de merveilleux. Grosse pression, hein, pour toi. Voilà. Et donc, je crois que j'ai rien oublié dans l'intro.
Donc on va pouvoir, voilà, notre assistante, je l'ai présentée, hein, merveilleuse caméraman de droite, notre merveilleux assistant caméraman de gauche, je l'ai préparé. C'était Vaquette, on ne le présente plus, et nous allons donc pouvoir passer à la première partie, la chanson « Mort aux Juifs », claque dernière, c'est parti.